comment vous dire que cette semaine j'avais vraiment zéro inspiration pour un vlog. Donc j'ai profité du fait qu'aujourd'hui je vais à Anvers et je voulais vous prendre avec moi pour vous créer un petit peu de contenu là-bas. Et voilà, bon, j'ai pas de programme fixe pour la journée, donc ça va être un petit peu une journée où j'essaye de découvrir la ville peut-être d'une façon dont je l'ai jamais fait. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors je suis arrivée à Anvers Central. Je pense que c'est la plus belle gare du monde. On va se balader dans le centre-ville. Ça devient trop gênant. C'est un café restaurant comme ça, très esthétique et hyper bon. Moi j'ai trop kiffé l'avocat de toast. Mais le truc c'est que j'ai rien pris là parce que le Starbucks et le croissant m'ont un peu fait mal au ventre. Donc voilà, pour le moment j'ai décidé de pas manger. Mais ouais, si vous venez au Joy & Juice, je pense qu'il n'y en a qu'un en Belgique, c'est celui d'Anvers. Prenez un avocat de toast et vous me direz quoi. C'est hyper bon. How good it is? 10 out of 10. Moi j'ai pris spéculoos personnellement pour pas trop sentir la cannelle parce que j'aime pas tellement ça. Et franchement c'est hyper bon. Le nom c'est Have a Roll. Là comme vous voyez il a commencé à pleuvoir. Mais bon, ça faisait partie du programme de la journée. Franchement quand vous visitez une ville en Belgique, checkez toujours la météo parce qu'elle est très changeante. Je pense que vous connaissez, de toute façon les Belges savent. Mais voilà, pour les non-Belges, checkez toujours la météo parce que ça change tout le temps et il pleut quand même beaucoup. On allait vers la grande place mais en fait, je suis tombée devant un magasin qui a l'air trop beau, je vais vous montrer. Alors là je suis devant une sorte de fleuve, en fait je sais pas si c'est un fleuve, un lac, un canal, je sais pas, mais en tout cas c'est très joli. Je vous ai fait différents plans. Peut-être que certains d'entre vous ben seront pas trop charmés par la vibe un peu on va dire pluvieuse, un peu un temps gris et tout, mais moi je trouve que certaines villes à Bruxelles ça fait ressortir leur charme quand il fait comme ça. J'ai déjà fait Anvers quand il faisait beaucoup plus beau et la vibe est complètement différente maintenant et je la préfère, je vous avoue. Thank you.